Un émetteur radio trace de façon immatérielle dans le ciel un plan vertical appelé localiseur. Il indique l'axe de la piste. Un autre émetteur, appelé glide, définit de la même façon un plan incliné, indiquant la pente que doit suivre l'avion pour arriver en douceur à l'entrée de la piste. Glide et localiseur sont captés à 50 km de l'aéroport par les instruments de l'appareil qui s'apprête à atterrir. L'intersection de ces deux plans définit la ligne idéale de descente en direction et en altitude. La position de l'avion par rapport à cette ligne est visualisée sur le tableau de bord. Le pilote, en automatique ou en manuel, maintient son appareil sur cette ligne, ce qui lui permet d'arriver sur la piste en ne la voyant qu'au dernier moment, avec une précision de quelques mètres.